Me l'appelle, c'est qu'ils ont besoin d'arrêter la grève parce qu'ils m'auraient dit c'est pas la grève qui peut faire trouver une solution. Trouver une solution, c'est quand nous discutons, nous causons et quand nous, comme un gouvernement, nous guettons la situation, nous faisons un constat quand nous arrivons et éventuellement, bien sûr, si nous sommes capables de faire quelques propositions, mais nous avons besoin de temps pour travailler là. Demain, vous annoncez quelque chose? Non, c'est une mal, je trouve des trois places, certains dimons viennent dire ça, qui me disent ben, vendredi, nous pouvons prendre une décision. Je ne vais pas dire vendredi, hein, à aucun moment, aucun pas, je ne vais pas dire vendredi. Ce qui me dit, je rencontre avec Ban Grévis, et effectivement, en tant que ministre des Finances aussi, je peux travailler l'eau qui proposition, mais je vais gagner l'aval du gouvernement. C'est un quelque chose qui discutait parmi ban ministres et là, là nous guettait comment nous pouvons procéder. Donc à aucun moment on va dire attendre vendredi qu'il pourrait avoir une solution. D'ailleurs, solution là pour demander un peu les temps avant qu'il nous. Et d'ailleurs, qui a été solution? Ça aussi c'est un quelque chose qui nous va guetter. Nous avons dit que nous avons complice pour qu'il s'avance du monde là aujourd'hui perdu d'autres là. C'est le dernier du monde qui a causé ça. Parce qu'il laisse une situation, quand il laisse un groupe, il laisse un du monde, vraiment dévalise l'argent des peuples. On fait dire que la grève n'est pas une solution. Parce que vous imaginez, si elle commence à faire la grève, maintenant pour dire arrête de projet métro lésé. Mais quand nous pouvons aller dans ce pays-là, les autres du monde commencent à faire la grève pour dire arrête de faire ça. Ou bien sans ça, ou bien donne-moi ça. Bon, en tout cas, mon cas dire, moi, je ne dirige pas un pays par rapport à la grève. Je redis à ce monde-là, je sympathise avec eux, je comprends ce problème, je comprends cette difficulté, mais je besoin réaliser que, comme un gouvernement, je vais essayer de faire le maximum que je suis capable pour essayer d'arriver à une proposition, à faire quelque chose. Dans ce sens. Mais bien sûr moi inquiet. Tout le monde fait la grève et nous connaît qu'il a affecté la santé du monde et qui n'est pas quelque chose qui arrive. La cause ça, je fais un appel à ce bon sens. Je fais un appel à ce qui nous ait une communication, à nous continuer dialoguer. Qu'est-ce qui suffit à longues vacances avant? Non, ce n'est pas une longue vacance. Tout le monde réalise que ça, mon premier ministre, mais mon ministre finance, et mon bizarre quand même pas mal de temps pour nous capables de préparer un budget, surtout par rapport à un défi qui nous a relevé, par rapport à une situation qui peut changer, et surtout au niveau international, avec un défi qui nous est là. Donc, il demande à ce qu'il soit capable de gagner quand même. Ça va nous là pour nous concentrer dans la préparation du budget. Motion qui s'est inscrite, il a mis à l'Assemblée régionale mardi concernant changement appellation de l'aéroport de Roderick. Oui. Donc la motion est votée, à c'est-à-dire bien sûr, il y a l'appui du gouvernement général pour que le changement ait lieu. Qu'est-ce que vous pensez de ça ou est-ce que vous pensez qu'il est justifié, ce changement-là? Bon, moi pas pour exprimer moi, Lola, nous sommes pour considérer ça au niveau du gouvernement, on va discuter. D'avoir guetté qui stand nous vous prend. Par rapport au budget, oui. Le budget du budget, est-ce que les plus différents avec le dernier budget que vous présentez l'année dernière? Non, ce travail là, le travail tous les jours, là, le travail là, on va. Dans un petit patience. Dans le discours lauréat ce matin, au fin de cause, l'esprit entrepreneurial qui vous a besoin et là, gagné. Est-ce que vous budget justement pour refaire la part belle au SMI cette fois-ci encore? Un petit peu de patience. Après, là, bien sûr, nous pouvons annoncer des mesures concernant les différents secteurs. Et au budget d'avion, Roderick, qu'est-ce que vous avez dit pour le prochain budget pour une augmentation? Mais non, pas le prochain budget. Vous connaissez bien, vous voulez connaître qui pourrait être dans le prochain budget. Mais vous n'avez pas encore fini de faire le travail. Allons-y. Il n'est pas possible, même si moi, j'ai envie de dire quelque chose, là, il n'est pas possible qu'il me finisse à dire quelque chose quand il est en préparation.